Ah, j'ai dit quelle est la fenêtre? Mais c'est une Napolt Nawak. Là, c'est bien. Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous m'entendez, que tout ça va bien. Petit changement de programme. Yo, fan, j'espère que tu vas bien. Et que ta nuit n'a pas été trop courte parce que j'ai lu ton message là et j'ai vu l'heure, 3h du mat, mon pauvre. Faut pas que tu te mettes dans le mal non plus. Donc, changement de programme. J'ai perdu trop de temps à mettre en place la solution de PC. C'est reporté à une semaine. Du coup, même le Dying Light, je suis plus motivé à le faire aujourd'hui, je précise. Je le reprendrai sûrement le week-end prochain. Là où je suis le plus motivé, ouais, c'est tes horaires, ok. L'essentiel, c'est que t'ailles bien. Du coup, j'ai même la frustration d'hier. Souvenez-vous, j'avais démarré une bataille qui était super intéressante. Mais que j'avais fait crasher parce que l'imbécile que je suis a voulu basculer d'une application à l'autre et ça a fait planter le jeu. Donc en pleine bataille que j'avais pas sauvegardé, quick, il n'y avait plus rien. Et je vais la refaire ce matin. Ça me démangeait. Je pouvais pas attendre une semaine avant de la refaire, donc on y retourne. Voilà. Et tant pis, Dying Light, ce sera pour le week-end prochain. Là. De toute façon, il va durer pas mal dans le temps. Et puis, j'ai remarqué en gros dans les statistiques, on va dire entre guillemets d'audience, je vois que Dying Light, vous n'êtes pas super enthousiaste. Donc, je me dis que le Commandant Conquer devrait peut-être vous faire plus plaisir en contenu. Mais je respecte toujours ma règle d'or, c'est-à-dire il faut aimer ce qu'on diffuse. Donc, moi, je peux faire plaisir. C'est le côté égoïste de l'expérience Twitch, j'ai envie de dire. Alors, go. Je sais même plus quand j'avais déjà fait hier. Ouais, tant que j'en éprouve pas le besoin, je vais pas jouer mes promotions. Je vais pas prendre le risque. Parce que la bataille, il y a la ville au milieu avec la rivière. Attendez, je peux déjà zapper. Voyez. Et le terrain de conflit, il est génial. Il est balèze à gérer, mais il est génial. Parce que je commence déjà à faire des hésitations, ça va pas. Mon point de ravitaillement, il était là. Ouais, tu me diras, non, en temps normal, c'est des chinooks. Donc, attends, je vais le mettre là. Serait bon que je me défende assez rapidement. Mais il faut que j'investisse de la thune dans les chinooks, les hélicoptères, Amélioration terminée. pour vite avoir le pognon de la plateforme. Il y a d'autres trucs à faire? Un petit chantier de construction? Ouais, je vais en demander, en avoir trois qui tournent. Donc il me reste 1 500 $, je peux faire la caserne. Ouais, que je peux faire en face. C'est pas un souci. Besoin d'une livraison?
fini. Un boulot pour moi. J'ai fini. Ah, attends, je vais peut-être pouvoir faire un deuxième système de défense. Yes. Et ce serait une bonne chose. Je vais le mettre là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, caserne, point de sortie des soldats. Je vais dire sur la route là, devant, ce sera bien. Yop, cousin, j'espère que tu vas bien. Ah, après, je suis déjà condamné à attendre. C'est là où la première stratégie se dessine. Si je dis à un soldat d'investir le bâtiment, je risque de me faire repérer par l'ennemi déjà. Là, je suis encore pas mal acculé dans mon coin. L'intelligence artificielle ne m'a pas forcément prise en considération, on va dire. Je vais peut-être commencer avec un aérodrome finalement et pas les chars. Alors attends, que je le mette assez rectiligne au bazar. Impossible. Sortez voilà. Les échafaudages. Boulot, boulot, boulot. Ouais, bah bon courage à toi, cousin. Ouais, ouais, tu... Oui, voilà, courage, 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 le fun fan. Ouais, si t'enchaînes effectivement les lits de vie à faire, les ordis à réparer. Ouais, essaye de tenir le rythme au possible. Ne pas te faire dépasser par ta compta. N'oublie pas de noter. Ah là là. Bon, bah quand j'aurai mes premiers avions de chasse, je serai déjà plus relax. Toujours prêt. Attends, je veux dire au bout de 2 heures d'aller là, parce que si l'ennemi attaque déjà, je la sens pas. Je vais pointer. Prise de risque, prise de risque. Dun, 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 dun. Il me faut des avions rapidement. Deuxième tour que je monte cette semaine, hein. Ah, les comanches, c'est, oserais-je dire, c'est la facilité, presque. Toujours prêt. Je vais pointer. Presque. Ah, après l'usine à char à 2000. En plus, il faut que je sois certain d'avoir un max de réacteurs opérationnels. Du boulot made in USA. Plus le temps passe et plus je me dis que Electronic Arts c'était les meilleurs dans les années 2000 et dans tous les domaines. Need for Speed, Mass Effect, Command & Conquer, le foot avec FIFA, basket avec NBA. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, les arts électroniques. Ouais. Alors, je vais demander à ce qui couvre le secteur là et l'autre va tenir l'aéroport, enfin l'aérodrome. Et l'aéroport joue à grand avec les civils. Ah, c'est beau. Ah, Command & Conquer, j'adore. Et encore là, je joue à la version de base, je jouerai plus tard à la version avec l'extension. Il faut déjà que je me réaccapare la version simple, on va dire, qui est déjà bien... Wouh. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais le mettre là. Toujours prêt. Je m'en occupe.
Ouais, lui, je peux l'améliorer. Tac. On le grappe de commande. Pour qu'il soit à 50%, je crois que je gagne. Non, deux fois plus. Oh là, je suis à 200%. Bon, c'est bien. Au final. Allez, je vais commencer à faire mes avions d'attaque. Et voilà, c'était sûr. Alors, aéronef qui va venir en soutien. Parce qu'ils ont décidé d'attaquer là. Donc lui, il va défendre la zone là. Allez, je vais dire comme ça. Toi, il faut déjà que tu répares mon... Vache. Ouf. Eh ben, j'ai eu chaud. Amélioration terminée. Ok. Avion de chasse. Et un deuxième. Voilà, là, je suis à 0$. Wouh. Bon, première offensive de repoussée sans trop de dégâts. Je suis encore à peu près l'égal de mon adversaire pour ce début de conflit. Je rappelle que j'incarne les États-Unis et je patate les terroristes du GLA. Alors c'est marrant, quand j'y terrorise du GLA, c'est horrible, mais j'imagine derrière au commandement Kadhafi. C'est horrible. Mais c'est de l'époque en plus. Ah là là. Comment je l'appelais hier? J'étais abject. Le bédouin imbibé. Voilà. Parce qu'il était boursouflé. Il avait une tronche, ce mec. On va faire un peu de voltige. Enfin bon, bref. Ici Raptor. Allez, hop. Je vais me dire que c'est les 1, les avions de chasse. Salopard, allez. C'est honteux, mais les hommes vont goûter aux missiles de l'avion. Ah non, ils ont buté mon... Oh, les salauds. Oh, merde. Je suis pilote américain. Eh, tu m'étonnes que t'es pilote américain. Ah ouais, mais j'en ai eu 15. Ah merde. Ah, ça craint du boudin. Merde, c'est deux mecs qui vont m'avoir. Ah, heureusement que j'ai la tour. Ah non. Ah. Au secours. Bon, le pilote américain, il va aller dans la forêt, là, dans la prairie. Je suis dans la merde. C'était pas la bonne chose à faire. Alors attends, je vais me faire une usine à char. Ça craint du boudin. Eh non, 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 écrase-le, toi. Écrase-le, vite. Au secours. Les avions de chasse, butez-le. Voilà, j'ai beaucoup aimé le... Aïe, 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 aïe. Voilà, voilà, je mets les bâtiments les uns à côté des autres. Je suis complètement compacté, je suis fou. Oui, tu fais un clip si tu veux, avec plaisir, Fun, merci à toi. Merci. Ah là 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 là. Ouais. Bon. Et ben c'est les avions de chasse qui vont être en patrouille. Je vais mettre les avions de chasse en patrouille, tant pis. Ah, j'en reviens pas, les hélicoptères qui sont abattus par les mecs au lance-roquettes. Oh merde. Ça reflète comme l'actualité de l'époque, guerre du Golfe, machin, c'est horrible. Hein. C'est horrible. Oh, l'Aurora, il coûte cher, mais qu'est-ce qu'il est bon, l'Aurora. Si je peux m'en payer deux pour défendre la base, je suis tranquille. Attends, je vais casser un peu le rythme de... Voilà. Hop là. Parce que de les voir les uns dans les autres, j'ai l'impression qu'ils vont se percuter, qu'ils vont exploser. Donc, voilà, là c'est beau quand ils tournent bien comme deux moucherons autour d'une lampe. Ah, c'est beau, ils sont beaux comme ça, mes avions de chasse. Bon, lui, il va me construire... oh, il faudra faire un autre missile patriote. Mon énergie, j'en suis à 9 sur 30, ça va encore. Je peux peut-être d'ailleurs prévoir l'avenir et faire un autre jeu de centrale. Hop là. Sortez l'échafaudage, tu m'étonnes.
J'ai toujours pas fait de Gugus. C'est pas forcément bien. Oh, oh là là là. Puis que les mecs puissent prendre les bâtiments. Alors, attends. Je vais me faire une flopée de soldats. Et ils vont aller dans la casbah, là. Ça va faire tour de garde. Ouais, les mecs, allez là. Je vous en supplie. J'ai besoin d'un appui sur le front, les gars. Une, deux, une, deux. Et comme disent les soldats américains, pour peu qu'ils parlent un peu français, faut que j'y aille. C'est nul. Je crois que c'est ma vanne la plus nulle du week-end. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, je pense à Jean-Marie Bigard, lui, il l'avait vulgarisé. Il avait dit, surtout, dites pas ça à un soldat, vous allez l'insulter. Mais là, vous le lisez en américain et vous aurez compris que vous dites une horreur. Enfin, bon, bref. Ah là 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 là. Bâtiment occupé. Prenez le bâtiment. Oui, t'aurais pu le faire. Oui, oui, oui. Non, ma meilleure vanne, je crois que je l'ai faite hier pour le week-end. Je crois que ma meilleure vanne, je l'ai faite hier pour Poupon, où il annonçait fièrement qu'il va peut-être faire un direct dimanche sur son antenne de Lego. Il va peut-être monter un Lego en direct, et il a besoin de retomber en enfance. Et je lui disais, si son public est insatisfait, c'est que son direct n'aura pas cassé des briques. Là, elle était pas mal, celle-là. Enfin bon, on rigole avec ce qu'on peut et avec ce qu'on a. Eh, hey, pas mal, je commence à avoir du fric. Ouais. Alors attends, faut que je prépare l'avenir. Parce qu'une fois que ma plateforme de ravitaillement sera usée, il me faut le commandement tactique avant d'avoir les largages des hélicoptères de l'ONU. Enfin, des avions de l'ONU, carrément. Alors attends, je fais exprès de mettre dans l'aéroport parce que ça me permet de mettre dans le bon sens le bâtiment. Ouais, je vais le mettre comme ça. Je serais même pour mettre une défense anti-aérienne là, parce que je suis faible. Si l'ennemi arrive à m'attaquer à côté... Surtout que les terroristes, ils ont une option bonus, ils peuvent apparaître à n'importe quel endroit de la carte, un petit groupe de mecs. Donc, c'est les rebelles. Et je vous dis pas la merde. Si ça m'arrive qu'ils apparaissent à côté de l'aérodrome, je suis foutu. J'ai des lourdes pertes. Attends, là je mets l'accent sur la thune pour avoir le largage aérien, c'est-à-dire la thune en illimité dans la longueur. Sans quoi, si j'oublie ça, c'est une erreur stratégique grave et je perds. J'ai plus de fond et je suis mort. Bah tiens, voilà la cavalcade. Accrochez-vous les mecs. Oh là là, oh là là, oh là là, attends, viens ici. Oui, d'ailleurs, j'aime bien, il a pas exécuté l'ordre parce qu'il y a un conflit de collision. Ouais, bien les mecs. Ouais, allez les mecs. D'ailleurs, ça vaut le coup d'aller réparer ça. Je pense que ça va tenir la bataille. C'est la guerre. Ouais. Wow, oh, c'est horrible, j'avais oublié ces unités, les kamikazes. Ils se font sauter, c'est horrible. Quelle horreur. Ah, j'avais oublié. Ah, c'est tout le mauvais goût de l'époque. Allez, j'ai perdu mon bulldozer. Et oui, je voyais le mec foncer sur la pelle. Ah, merde. Allez, je redemande un bulldo. Eh, c'est 1000... Eh, il y a une deuxième offensive. Oh là là. C'est la guerre. Ouais, je vais être promu, mais j'aurai pas le temps de réparer le... Ah, vite, répare-le. Brouille-toi. Je veux garder cette position de défense. Ah, il reste encore un char. Allez, tenez bon, les mecs. Allez, les mecs. Vite, répare. C'est la guerre. C'est la guerre thermonucléaire. Ouch. Oui. Le bulldozer. Tenez bon, tenez bon, tenez bon.
Je lui ai demandé un avion de chasse. Enfin, non, je lui ai demandé carrément aux avions de le liquider. Allez, hop. Liquidez-moi ça. Faites-vous plaisir, les avions. Allez. Wouh ! Petit largage. Youhou ! Burp. On n'en parle plus. Non, toi, t'atterris pas. Non, toi, t'atterris pas. Et oh, 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 t'es neuf, t'as tes missiles. Tu gardes la zone. Oui, il y a intérêt que tu patrouilles. Pendant que l'autre, lui, il a le droit de se recharger ses missiles. Ouais, non, mais dis donc. Je creuse les fondations. Voilà, le pont aérien. Je peux déjà en faire un. Ah, où est-ce que je le place? Ouais. Parce qu'il faut pas que je me fasse attaquer. Je prends le risque de compacter tout le bordel. Je mise sur la défense. Il y a la stratégie, alors plan de bataille, bombardement, défense, enfin tenir position, recherche et destruction. Et moi je mise sur la défense, ça m'avait réussi. Voilà, hop. Alors je vais dire à l'autre avion de revenir comme il est rechargé, défendre la zone. On s'occupe du secteur. Hop là. J'ai toujours pas fait ma... Bon, lui, il est réparé. Allez, mets-moi une tourelle de défense là-bas, au niveau de l'aérodrome, parce que je sens que je vais me faire avoir. Je sens que dans 2 minutes à peine, le camp ennemi va développer l'option les rebelles. Oh, merde, ils sont à nouveau là. Alors non, reviens, re-répare. Demi-tour. Ah non, c'est la panique au niveau de la stratégie. Mais... Écoute mon ordre, salopard. L'autre, il m'écoute pas. Oh, l'autre est... Je vais me faire avoir. Il faudrait que je mette en appui un... Oh, il reste combien de fric dans la... Il en reste un peu. Je peux commander un hélicoptère. Je vais commander un hélicoptère en appui. Au niveau de la petite base de... Pour les soutenir les mecs. Ils sont chiants. On contrôle le ciel. Ouais, butez-moi le parce que là j'en peux plus. Allez, un chacun. Dame, 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 dame. Nickel. Ouais. Wouh. Alors attention, momentanément j'ai plus de défense. Mais attendez, d'ici quelques minutes j'aurai la défense et la défonce. Il faut les deux pour mener la guerre. Mon hélicoptère il est où? Il arrive, il arrive. Ils sont en train de l'assembler dans l'atelier. Ouais. Alors l'hélico... Ouais, je veux dire que c'est l'unité 9. Code 9. Code 2. Je suis plus ce que je dis. Alors attends. Généralement, ils sont là, les salopards. Je vais légèrement décaler l'hélicoptère. Ouais, je vais le laisser derrière le... Nickel. Ouais, il part faire son bâtiment. Bien. Ah, je me souvenais pas qu'on pouvait programmer, entre guillemets, presque scripter les unités, leur dire tu fais ça, tu répares et après tu retournes. C'est bien. Qu'il y ait une certaine forme d'indépendance dans les ordres, ça me plaît beaucoup. Il faut gérer l'énergie aussi pour les largages de thunes. Attends, je vais en faire un autre là. Oh, bonjour, Nachevman! J'espère que tu vas bien, merci à toi d'être là dès le matin. Eh, hey, pas mal. Ma défense, ça fait son boulot. Cool. Oh, je me demande si... Alors, les aérodromes, on peut avoir que 4 aéronefs, avions de chasse... C'est indépendant les hélicoptères. Les hélicoptères sont indépendants. Mais avions de chasse, on peut avoir que 4 unités, 4 avions par aérodrome. Et je me demande si je vais pas faire 2 aérodromes cette fois-ci. Je vais en faire un pour la défense et l'autre pour la défonce, comme j'aime le dire. Alors attendez, les avions de chasse, vous repatrouillez dans la zone. Vous repatrouillez dans la zone. Et je vais prendre le risque de commander 2 autres avions. Et ils sont vraiment pour aussi pour la défense.
Mais je vais dire code d'unité 2 peut-être. Et du coup l'hélicoptère, je changeais son code. Allez, je vais dire 3 finalement pour les hélicoptères. J'essaie de m'en tenir, mais... Parce qu'au clavier, quand la bataille fait rage, c'est bien d'avoir groupé ses unités et de donner une valeur. Au clavier, dire 3, 4, 5, 6, 7, ça évite de voyager dans la carte pour les ordres. D'ailleurs, c'est bête, mais mon bâtiment principal... Alors, j'ai mis 0 pour le bulldozer, mais le bâtiment principal... Je vais peut-être donner le code 5. Parce qu'avoir la main sur le bâtiment, pareil, rapidement, pour dire on fait une découverte de l'ennemi, par exemple, synthète espion. On peut regarder ce qui se passe en ville, par exemple. Voyez, c'est très américain d'avoir les drones. Ah, il y a deux baraques qui sont prises et il y a des unités quand même. Il y a du mouvement. C'est intéressant. Ouais, ça va bien, Dina Chevman. J'ai joué un coup de clairon en me levant ce matin en l'honneur de Feu Poupon. Ah là 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 là, ouais. Les hélicoptères sont indépendants, oui. C'est ça. Ah mon dieu. Ouais, j'ai mes deux autres navions. Non, qu'est-ce que je... Ah oui, c'est vrai qu'on peut définir une... C'est vrai. C'est pas ça que je veux. Je veux donner le code 2 aux avions de chasse. Ils ont pas d'unité aérienne, les terroristes. Donc je peux tout miser sur le sol. Ce qui m'arrange bien, quelque part. Ouais, je vais mettre ça là. Ça y est, je commence à avoir mes largages de fric par l'ONU. C'est cool. Mon énergie, attention. Défense de missiles sol-sol-sol-air même. Hop, j'en remets là. Lui, il va faire une autre centrale. Parce que ça bouffe de l'énergie, ces machins-là. C'est un bon point. Alors, comment sont les... Ah, lui, il est pas top-top. Merde. Ah oui, comme je construis tout... Alors lui après, merde. Ah, je veux le bulldozer. Lui dire qu'il aille réparer la tour des soldats. Et je vais peut-être jouer les promotions après. Histoire de faire valoir mes bonus. Ah, parachutiste, c'est génial. Ouais, les parachutistes, j'adore. Et ben voilà, ça va me faire des hommes pour... Ça va me faire des hommes bonus pour tenir des bâtiments. C'est trop la classe, c'est cool. C'est cool, c'est cool. La question, ouais, où est-ce que je me fais un autre aérodrome pour la défense? Coucou. Bonjour Tunsen, j'espère que tu vas bien aussi. Ce samedi matin... Oh tiens, si je m'amusais à faire l'aérodrome d'attaque dans le sens opposé, ce serait drôle. Enfin, drôle. Ce serait original. Impossible. Merde. Pourquoi il veut pas? Ah, le terrain est trop escarpé. Ouais. Allez, go. Oui, Fan a mis son réveil. Aïe, aïe, aïe. Ah, je peux refaire des parachutistes encore? Attends, j'ai pas compris, là. Ah non, c'est moi qui ai mal choisi l'option. Oh, le con. D'accord. D'ailleurs, je vais jouer différemment par rapport à hier, et je vous expliquer pourquoi quand je vais faire l'action. Alors attendez, les mecs vont se répartir les bâtiments à investir. L'élite de l'armée. Les mecs, il y en a qui vont aller là. Lui, il va rester là. Les gars, vous allez là.
On y va. Non, merde, j'ai déjà fait un misclick. Comme dit en anglais, j'ai cliqué là où il fallait pas. Voilà, et vous, vous allez là. Ça, c'est de la répartition. Voilà, j'ai mon autre aérodrome, celui d'attaque cette fois-ci. Ça, déjà, c'est une nouveauté par rapport à hier, j'avais qu'un seul aérodrome. Ha. Je peux améliorer aussi les hélicoptères avec nacelle porte-roquette. Je peux améliorer, mais ça coûte cher, 1500. 25 dégâts supplémentaires pour les tirs du Raptor, je sais pas, à voir. Je vais faire déjà un avion de chasse d'attaque. Je vais aller mollo sur le budget. Lui, il peut peut-être me faire une autre plateforme. Ah merde, il me manque 100$. Il me faut 2500 et je n'ai que 2400, entre guillemets. Et il faudrait que je fasse déjà une autre... un autre acteur central. Oh la vache, c'est balèze. C'est balèze de chez balèze. Ouais, j'ai déjà débordé un peu. Oh là, il y a de la cavalcade là. Waouh. Je suis bien content d'avoir les parachutistes. Allez se faire cuire un œuf. Code 9. C'est pour les tenir en respect, les salopards. Alors, c'est là où je peux jouer intelligemment au clavier et dire je veux mon bâtiment principal espionnage. Là, voir s'il y a quelque chose. Là, on voit quelque chose qui arrive. Donc, je reclique sur. Enfin, j'appuie sur 9. Et je dis que eux, je veux les buter avec mon avion de chasse. Ça va chauffer. Histoire de leur faire comprendre que je suis de plus en plus offensif. Il est abandonware en plus. Ouais, c'est ça qui est cool. Bonjour, la Jed. Et c'est pour ça que je suis fou d'y rejouer là. Parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir la version originale, version boîte. À l'époque, j'avais pu me l'offrir. J'étais à fond dans le jeu là. J'ai adoré. Et mais avec Windows 10, je pouvais plus jouer. Il y avait une incompatibilité. J'ai perdu mon avion de chasse. Merde. Ah la vache, ils arrivent à se défendre, les salopards. Donc, mauvaise stratégie. Et ils ont fait un truc avec un menu automatisé dans Abandonware. Ils ont fait un truc magnifique. Et il n'y a plus besoin de se battre. Ça retombe sous Windows 10. C'est pour ça que je vous le fais ce matin. C'est cool. Et toi aussi, j'espère, la Jed, j'espère que tu vas bien. Ah bah bonjour Poupon. Ah oui, j'avais même pas vu que t'étais arrivé. Oh là là, vous arrivez tous en même temps. Oui, je vais bien, bonjour Poupon. Pareil, j'espère que tu vas bien toi aussi, Poupon. Oui, voilà. Ça dépend dans l'ordre où j'arrive à relire dans mon logiciel. Je suis désolé, Poupon. Mais t'inquiète pas, je t'ai fait déjà ta pub. J'ai dit que tu faisais éventuellement un direct Lego ce dimanche. Ça mérite d'être souligné comme c'est... C'est original, c'est bien. En Bretagne, vous avez l'habitude du vent. Feu de fan, j'allais dire Poupon. Aïe. Alors, attention, la gestion de mon énergie, il faut pas que je fasse l'idiot, parce que si je me retrouve sans électricité dans ma base, je suis mort. Donc lui, je lui redonne le code 9, mais il faut que je l'utilise plus intelligemment. Lui, je donne une grappe de commande pour l'améliorer, la ligne là. On construit. Merde, les hélicoptères ont plus de... Ouais. Maintenant, je suis tenu au largage. Est-ce que lui peut récupérer le... Ouais, récupère le pilote de l'ancien hélicoptère. Il sera bien dans l'autre aéronef. Ou il sera peinard. Comment il est indiqué? Je sers notre pays. Ouais, pilote, ouais. On voit. Nickel. Au moins, il est bien dans l'aéronef. Bonjour, Torota. Mais je vais bien, merci, et toi?
Ouh là là. Je suis impressionné de vous voir des 10 heures. Mais que se passe-t-il? Petit chantier de construction. Canon à particules, c'est vraiment particulier dans les guerres. J'aimerais bien faire encore un autre pont aérien, ce serait cool. Amélioration terminée. Ouais, il peut passer là. J'aimerais bien avoir 2-3 ponts aériens là en bonus. Histoire que j'ai pas de questions à me poser sur le fric. La fric, c'est chic. Frica. Comme dit la chanson. Bah alors, en perde. C'est horrible d'être dépendant des largages de l'ONU. Ça fait peur. Dans les promotions... Oh, la prochaine, je mise quoi? Je mise le commando, ça peut être pas mal. Ah, oh, puis en dernier, la bombe aéro-incendiaire, c'est la violence. C'est la violence. Oui, tu te lèves juste au retard. Ah. Oui, génial, l'idée de la tombe. La tombe, voilà. J'attends un largage de l'ONU pour pouvoir provoquer d'autres largages de l'ONU. Mais ils se font désirer, oh mon dieu. C'est quand le prochain largage? 47 secondes, 15 secondes. On y croit. On y croit, on y croit. Alors, le front. Les bâtiments sont pas trop esquintés? Non, je tiens ma ligne de défense. Ah, c'est bien. Je vais me faire encore un parachute, enfin, largage de parachutiste dans ma zone, histoire de répartir complètement dans tous les bâtiments le. Ah, l'épitaphe. Eh bien, il y a une vanne entre vous, c'est cool. Allez, les parachutistes, hop. Voilà, les gros avions arrivent. Oh là là! Ils vont se rentrer dedans, arrêtez, ça fait peur. Oh, les avions, il y en a trop. Très américain, ça. Y a pas de doute. Ça y est, j'ai de la thune. Alors, j'ai demandé la construction d'un autre pont. Joie. Joie, 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 je vais le mettre rectiligne au reste de la... Hop là, c'est parti. Alors, les mecs, vous allez vous répartir les postes. Si j'y arrive... Hop là. Ouais, c'est bien. Là, il en fallait 3. Alors, je vais essayer d'en prendre 3. Loupé. Ouais, bah, je vais faire à l'unité. Allez, hop. Là-dedans, c'est plein. Et là-dedans, il en manque 4. Allez, je vais en prendre 4. Les 4 là, oh, nickel. Et allez, dans la tour. Je me demande si elle a pas besoin d'une réfection, là, le bâtiment. Qui n'est pas dans le jaune, mais je suis pas sûr que... Attends, on va zoomer sur le... Attends. Ah, légèrement esquinté, j'ai l'impression, mais je suis pas sûr. Quelques éraflures de balles. Mais bon, on va... J'ai inspecté la défense à fond. Eh ben, ça s'annonce bien. Là, j'ai l'air de tenir ma base. Alors, du coup, j'observe un principe de précaution par rapport à hier. Je vais sauvegarder, chose que je ne faisais pas parce que je m'attendais à mener bataille d'une seule traite. Voilà. Retour parti. Ah, je pourrais déjà... Ah, attends, mon énergie. J'ai toujours peur de merder l'énergie. Oui, je peux largement demander un autre pont aérien derrière. Allez, hop, m'en fais un deuxième. 2 500 $ sur 3 200 que j'ai. Comme ça, j'aurai plus de questions à me poser sur le fric. Et je vais pouvoir être au taquet. C'est bête, mais c'est la stratégie qui fait gagner, qui permet d'atteindre la victoire, quoi. Ah, si j'ai pas la clé à molette, c'est que c'est pas endommagé. Faut que je retienne ça aussi. Que je révise mes classiques.
Bon, le bulldozer, il va partir. Il va pas tarder à faire une autre centrale. Bonjour Christella, j'espère que tu vas bien. Oh là là, merci à vous d'être si nombreux. Eh ben. Oui, je pense que vous avez peut-être une déception. Et je le conçois, l'idée que j'émette à deux ordi. Mais j'ai pris trop de temps ce matin. J'ai apprécié ma grasse mat. Donc ce sera le week-end prochain. Mais ça en prend clairement le chemin. Et au lieu de faire du Dying Light, j'ai peur que ça rame. J'étais même plus motivé à faire le Command & Conquer. Donc vous voyez, ce matin, c'est Command & Conquer. Zoubi zoubi, oui, bisous. Ah là 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 là. Alors quoi, composite, fuselage, paladin. Ouais non, j'utilise pas les unités là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors l'énergie 50-40. Ouais. Le bulldozer va rester là en attendant. Je me ferai encore un dernier pont aérien. Oh la vache, ils se chevauchent les ponts aériens au sommet, au niveau du relief, c'est rigolo. De la thune, de la thune. Oh, merveilleux. Je vais pointer. Ouais, tu vas pointer, faire les deux dernières centrales. Après, ce sera suffisant, faut pas déconner, parce que... 9 centrales, c'est la folie. Et voilà. Et donc, mon changement de stratégie. Je peux avoir le colonel Burton avec du fric, qui est pas mal. Donc, camoufler ce monde pour tirer ou poser une bombe. C'est un Rambo, le mec. Mais je peux avoir aussi le commando. Mais il faut que je déverrouille la promotion, les étoiles. Je peux avoir que 5 promotions. Donc là, j'en ai misé 3 à fond sur les parachutistes. J'adore les parachutistes. Mais je pourrais déverrouiller le commando... qui coûte pas très cher, qui est camouflé s'il fait pas d'action spéciale, il peut pas se faire dégommer. Sauf si l'ennemi a une unité spéciale pour détecter les unités spéciales, ça peut se produire. Non, le colonel Moutarde, il est en vacances. Oh, hey, t'es en train de me donner une idée, Poupon, en parlant du Cluedo. Il faudrait qu'on se fasse un jour sous Gartic Mode. Mais je sais pas ce qui, parmi d'entre vous, a Gartic Mode ou pas. C'est vrai que j'ai regardé certaines parties par le passé sur YouTube, j'étais mort de rire. Jouer un Cluedo en jeu de rôle dans Gartic Mode. Il y a des cartes exprès pour, il y a un mode qui existe pour, ça se vend de la poire. C'est, le mode, il est excellent. Pour se faire des murder parties virtuelles, c'est à mourir de rire. Oh, c'est un truc qu'on pourrait se faire dans le futur aussi. Oh, y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire. Mais ouais, non, la colonel Moutarde, il est pas... il est pas là. Ah, merde, ils essayent de les gazer avec du... Ah, par chance! À cause de l'angle, il a pas réussi à projeter le... Si, il m'en a buté, il y en a qui sont morts. Ah, tous les soldats sont pas là. Donc il faut que je fasse une unité de soins. Vite, il me faut une ambulance. Bah alors. Voilà, je veux définir le point de sortie des chars et des unités là. Eh oui, il faut que je mette une ambulance toute proche. Oula. Ah merde, bah j'ai perdu 2 soldats. Ils ont pris un Burk. Ils ont pris du gaz caca Burk. Et bah voilà mes derniers parachutistes de la dernière fois. Vous allez réinvestir les lieux. Et la... L'ambulance, elle va... Comment je peux définir? Ordonne l'unité de se baisser pour protéger un endroit et pour chasser les cibles si nécessaire. Non, essaye de couvrir les 2 tours là. Je pense que ça fait partie de... Ah oui, je peux avoir un truc bonus. Un drone de combat. Ouais, je veux bien avec l'unité. Au moins, elle pourra se défendre mieux, l'ambulance. Avec un peu de chance, je vais bien la jouer.
Vous voyez que j'arrive à repousser les attaques de mon adversaire, c'est bon signe. Mon énergie. Ouais, je peux faire encore un autre pont aérien. Ah, je vais peut-être encore faire plus 2, histoire d'être top confort au niveau du fric. Ça, je l'ai fait vraiment côte à côte, quoi. Voilà, là j'ai un largage. À moi la thune! Oh, ils se croisent, merde! Oh, ça fait peur! Oh, le bordel! Alors, à quoi consiste mon jeu? C'est de la tactique militaire. J'incarne les Américains. Tu peux incarner trois camps. Les Américains, les Chinois, donc autant dire les capitalistes contre les communistes, et les terroristes, le GLA. Et il faut que je patate l'ennemi. Alors, attendez, je vais vous montrer l'ennemi. Vous voyez, je pense que sa base, normalement, elle est là, dans la carte. Je vais demander à un satellite espion. Hop là, vous voyez l'ennemi il est là. Et là c'est les terroristes. Il faut que je tue les terroristes. Donc là je suis encore pas mal en défense. Mais je vais bientôt passer en attaque. Ah, les parachutistes sont dispo. Les parachutistes sont dispo. Ouais, je vais encore en demander. Quitte à ce qu'ils aillent en réserve dans le petit village là de... Dans l'exploitation agricole. Là, je trouve que mon front, il est faible. Là, j'ai rien. S'ils attaquent par là, je suis couillonné. C'est litigieux, mon truc. Enfin, c'est... Litigieux est pas le bon terme, mais c'est à risque. Je vais mettre... Ouais. Je vais peut-être même me faire un hélicoptère de défense bonus. Qui va défendre l'arrière. Les Chinooks, je vais peut-être vous répartir. Je vais mettre un Chinook là. En mettre un autre là. Ouais, là c'est pas mal. Et lui au-dessus de la forêt du petit bois. Voilà. Il y a quelque chose de rassurant. Attends, on le voit même plus l'autre. Merde, je l'ai sorti de la carte. Je peux plus interagir avec, j'ai sorti de la carte. Oh merde, c'est pas grave, tant pis. Ah, ça c'est un petit bug quand même. Le fait de pouvoir faire sortir l'unité hors carte, c'est... Ah non, je peux l'interagir là. Ouais, alors attends, je vais lui dire de ramener ses fesses un peu plus vers ici. Elle est bien bonne. Allez, un dernier point aérien. Top confort. Je le mets bien côte à côte. Pas possible. C'est un bon coin. Alors, tu dis que tu es fatigué, Torota, mais ça va. Cette nuit, j'ai fini le raccourci pour aller à la forteresse. Non! T'es sérieux? Non! T'as réussi à faire ça? Eh, hey, GG, Torota. Oh, je sais pas si je vais me prendre un peu le temps tout à l'heure. Je sais pas si j'aurai le temps après le déjeuner de me connecter à Minecraft. Mais on va voir, je sais pas. Je sais pas. Parce que je suis censé pas être là cet après-midi, alors. Enfin, encore que... faut que je m'organise au niveau horaire avec l'intéressé. Mais... trop bien, Torota. Mais c'est énorme. Ah, mais t'es trop fort. Ah, GG à toi, merci. Waouh, j'en reviens pas à la vitesse à laquelle t'arrives à... Moi, je joue pépère relax à Minecraft, mais toi, ton rota, t'es le stratégique. Clac, clac, clac. En 24 heures, l'objectif est atteint. C'était fou furieux. Je sais pas comment tu fais, t'es trop fort. On entre dans le bâtiment. Ouais, allez, les militaires, les parachutistes, vous allez dans l'exploitation agricole, les gars. Bâtiment occupé. Allez les mecs! Allez les mecs! Les commandos arrivent! Ouais! À vos ordres! Bâtiment occupé! Toujours prêt! On entre dans le bâtiment! Ouais! Ah, je suis trop content! Je vais occuper l'exploitation agricole. Ça me fera des soldats de réserve. Alors, ma stratégie aussi où je vais la changer comparée à hier. Pour ceux qui ont vu mon direct d'hier où j'ai lamentablement crashé ma partie, c'est pour ça que je la refais ce matin. Alors attends, lui il va me refaire une... Du boulot made in
Ouh, l'énergie, c'est juste. Ah oui, il me manque une... Merde, attends, il me manque une... Il me manque une centrale, là. Laisse-moi faire une centrale, là. Voilà. En espérant que le aussi, qu'il puisse se barrer. Oui, il peut circuler quand même, le... j'ai 6 largages. Bon, au niveau du fric, ça va. Je devrais plus me poser la question, est-ce que j'ai de la thune? Maintenant, je dois en avoir. Je vais encore mettre les rails pour que ça aille vite. Ah, tu veux mettre un système de rails dans les enfers? Ouais, mais... C'est pas risqué avec les... Il faut faire un rail tunnel dans les enfers, je pense, Torota. Parenthèse Minecraft, hein, pardon. Les ghasts. Si un ghast repère et tire, il peut lancer son projectile sur le rail et tout faire péter. C'est risqué, t'imagines, l'autre qui arrive derrière, le rail est pété, il tombe dans la lave. C'est... Enfin, je sais pas, à voir. Je te laisse gérer, Torota, t'as beaucoup plus d'expérience que moi, visiblement. Les orages, c'est mieux. Ouais, bah, tu vois, les orages, je te les ai remis, ça fonctionne. Mais je te dirai, fan, quand j'aurai reprogrammé les ennemis qui me patatent. Ça reviendra, t'en fais pas, voilà. La 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 la. Besoin d'aide? Alors. Sympa. Oui, donc ma stratégie que je vous l'explique. Il y a des bâtiments à prendre. Vous voyez, ça, c'est du pognon. Ces bâtiments-là, c'est que du pognon. Je vais demander un espionnage. Voilà, drone espion. Ah bah, l'ennemi a pas cherché à prendre. Et ça, je peux demander à des soldats de les capturer. J'avais fait avec des parachutistes hier, mais l'ennemi m'avait repéré. Je me demande si en prenant juste un commando, discrètement, je pourrais essayer de m'emparer du bâtiment sans me faire détecter. Donc, merde, j'ai pas ce qu'il faut pour demander des commandos. Il faut que je monte en grade. Pour monter en grade, il faut que je bute des ennemis. Ah oui, là j'ai du fric à donf, donc j'ai demandé mes 4 avis de chasse. Ça va être la violence. Je peux investir dans la guerre. Je serais presque tenté avec un Chinook d'essayer de récupérer des caisses sans me faire repérer. On va voir comment l'ennemi réagit. Déjà, si je vais juste là avec le Chinook. Enfin, ouais. Je vais me mettre là. Je vais donner un nom de code au Chinook. Je vais dire que c'est 8. Code 8. Que si je le perds, ce serait ballot quand même. Ouais. Est-ce que je peux lui dire de récupérer du fric? Honnêtement, si je perds cette unité, c'est pas trop grave. Ah, je passerai de dieu à diable, dit Funfan. Ouais, les gaz, ça peut faire mal, ouais. Poupon dit, je vous laisse. L'équipe arrive pour le ferraillage des dalles à couler mardi. Oh vache. Bisous, à plus, bon week-end, bon courage pour la suite, Poupon. Oulala, ouais. Il est en travaux chez lui, Poupon. Courage, courage. Papapapalapapa. Visiblement, ils m'ont pas repéré. Ah, si, peut-être. Eh ben, tiens, je vais essayer de leur dire. Ah, bah non, je suis con. Je les ai pas encore. Alors, j'ai les parachutistes qui sont déjà dispo. Qu'est-ce que je fais? Oh, je vais me faire des soldats de réserve dans le... J'ai peur de les sacrifier. Je préfère avoir un max d'unités en réserve. Ah oui, mon dernier avion de chasse qui arrive. Les parachutistes. Alors là, je peux en mettre 3, 2, 5... 3 2
Bâtiment occupé. Et 5. Toujours prêt. Non, il y en a plus que 5. On entre dans le bâtiment. Alors attends, lui il va là. Besoin d'un coup de main ? Et lui il reste là. Attends, ça fait... Non, ça fait 6. Oh là là. Non, juste 1. L'élite de l'armée. Pouvez détruire. Voilà. Je me mets en position. Oh, on est d'accord. Là, c'est au taquet. Il peut pas y avoir plus de monde. Unité perdue. Ah merde. Ah, mon Chinook s'est fait abattre. Ah, c'était à craindre. Destination confirmée. C'était à craindre. Tiens, lui, il peut patrouiller, le petit soldat. Pourquoi pas, tiens. Comme peut y avoir des terroristes à droite à gauche qui peuvent apparaître, tiens, je vais le mettre là. C'est pas idiot. C'est pas idiot du tout. Il va rester là. Donc tant pis, j'ai perdu un Chinook. Mais bon, fallait la tenter. Ce que je peux faire... Alors, attendez. J'ai l'espionnage. Ouais. Réfléchissons. Prêt à voler. Donc, voilà. Les 9... Enfin, les 4 en code 9. Les 4 en code 9... Je demande un balayage de la zone à l'espionnage. Ouais, mon Chinook, la carcasse est là. Quick, perdu. Perdu, perdu, perdu. Pop, 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 pop. Est-ce que je peux attaquer les ponts? Ah, ce serait énorme. Ce serait terrible pour le village, mais si je peux... Je sais plus. Est-ce que je peux péter les ponts? On faisait comme ça dans la vraie guerre. On cassait les accès. Parce que comme ils ont pas d'aéronef... Est-ce que je peux sacrifier un pont? Il y en a combien? Il y en a 5 des ponts? 6? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, mais en pleine ville, je pourrais pas les atteindre. Je pourrais pas les atteindre. Je vais me faire abattre par les... Les terroristes sont positionnés au niveau de la rivière, forcément. Ah, oh, j'ai envie de la tenter. Ah, oh, je sais pas. C'est une stratégie qui est valable. Mais est-ce qu'elle est rentable? C'est ça la question. Oh, je suis déjà à 20 000 dollars. Oh, le truc de fou. Bon, je vais peut-être me faire quelques blindés. Alors, on a le Tomahawk. On a le Crusader, donc le char classique américain. Et le Humvee. Pour déplacer l'infanterie, c'est pas mal. Ouais, je vais peut-être m'en faire deux des Humvee déjà. Ouais, le paladin, il faut une promotion. Mais bon, bref. Missile Tow, les Humvee armés d'un missile peuvent viser des cibles terrestres ou aériennes. Ah, c'est pas mal. Pour 1200. Ouais, je veux bien l'amélioration, tiens. Ouch. Merde, j'ai cassé le... Ouais, allez, on va faire d'abord la recherche et... Ah bah non, j'ai quand même une vie qui est sortie. J'ai de la place pour 5. Bon. T'as de la place pour 5, ok. Tu vas te faire un drone de combat. Et les mecs qui vont pouvoir rentrer dans la Humvee. Comme ça, je vais pouvoir les déployer rapidement. C'est intéressant. J'ai l'impression que l'ennemi est bien emmerdé par rapport à ma défense qui semble irréprochable. L'autre bulldozer, je vais le mettre à l'opposé parce que... S'il y a un pépin... Voilà, là, il y a pas mal de soldats qui vont pouvoir rentrer dans le véhicule. Nickel. Je vous emmène. Je vous emmènerai... Est-ce que je vais pas prendre l'option... Ouais, c'est cool. Prendre l'option de la grenade incendiaire pour les soldats. Grenade flash pour nettoyer les bâtiments civils.
Parce qu'il y en a plein en ville. Donc j'ai tout intérêt à prendre cette option. Et former les soldats à ce qui mène un assaut bien réfléchi. Oh, je prends un Burton. Je prends un Rambo. Mais il prend pas de bâtiment, c'est ça qui est con. Mais il peut poser des bombes. Efficace contre l'infanterie, mais vulnérable face aux éclaireurs. Ah. Oh, je vais me faire... Allez, symboliquement, je vais me faire un Colin Burton, mais pour la défense ici. Parce que, éventuellement, je le jouerai en attaque si j'ai une stratégie qui est compatible avec lui, mais... Ah, mais j'ai une paire royale, ils osent plus m'attaquer. Je les ai complètement complexés, les ennemis. C'est beaucoup plus calme que hier. Étrange. Ouais, c'est cool. Oh, qu'est-ce que je fais? La bonne idée serait peut-être de grignoter du terrain. Si j'envoie les parachutistes comme hier, ça va se voir pour prendre d'assaut les Derrick. Oh, allez, qui tente rien n'a rien, comme on dit. Là, j'ai quoi? Ah, merde. Parce que si je dis aux avions de chasse d'attaquer le pont... Vous cherchez le meilleur. J'ai peur que eux, dans le bâtiment, ils ont des lance-roquettes et ils vont abattre mes avions de chasse. Bon, il y en a 4, mais je vais sûrement en perdre au moins un. J'aurais peut-être dû attendre et faire diversion avec les parachutistes, je sais pas. Ouais, c'était sûr. C'était sûr. Ça a pas l'air de marcher, l'attaque du pont. Ouh, j'ai chaud. Oh, l'avion de chasse, il va avoir des réparations. Alors la question que je me pose, c'est l'ordre que j'ai donné, ils y retournent ou pas? Oh, l'avion de chasse. Oh la vache. J'ai eu du bol, hein. C'était culotté de ma part. Non, il reste à la base, je pense. Alors, il se recharge encore. Regardez, on les voit se faire réparer et se recharger. C'est beau quand même. Non, il reste à la base. C'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal. Les parachutistes. Ça me fait... Enfin, c'est le jeu, ça me fait mal au trip de venir j'envoie des parachutistes se faire trucider, quoi. On n'a pas, mais bon. Allez, je sauvegarde et je tente une mission vraiment musclée là. On va attaquer. Tac, retour parti. Allez, on va voir ce que ça donne. Il va y avoir de l'action. Là, je vous dis, ça va péter. Attention, il n'est pas impossible que l'avion qui largue les parachutistes se fasse abattre avant le largage. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Allez, hop, je découvre la zone. Ah bah, voilà l'avion. Enfin, non, ça c'est... Si, c'est les parachutistes. Ça va, ils ont le temps de les larguer. C'est la guerre! Allez les débusquer! C'est quoi ça? Mitrailleuse. Mode mitrailleuse afin d'attaquer. Attaquez! Utilisez les grenades flash, c'est mieux! Ouais! Ah bah ça y est, ça a marché. Oh, c'est rapide! Oh mais c'est trop bien les grenades flash! Ah ouais, les mecs, attendez... Unité perdue. Ouais, il y en a qui s'est fait écraser. Mais pas tous. Si. Eh, pas mal! Eh, l'offensive marche. Par contre, la ville va être détruite. La ville va être détruite. Ça va être une horreur. Appui aérien, toutes les unités, patatez-les. Appel à toutes les unités. Vol de
Ou lui, je sais pas, je change de cible à chaque fois, ça va plus. Ouah, ah, j'ai été promu. C'est intéressant. Allez, tenez bon, les mecs. Ouais. Oh, le village. J'enverrai des bulldozers reconstruire à l'état neuf, promis. Ouais. Oh, excellent. Ah ouais, fais tout péter, m'en parle pas. Oh, génial. Ah, je me souvenais pas que ça pouvait aussi bien marcher. Finalement, je renonce à faire sauter les ponts. Mais j'ai un doute. J'ai un doute. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? J'ai souvenir d'un jeu de stratégie comme ça où je pouvais le faire, mais je sais plus si c'est celui-là ou un autre. Faut tout raser, oh la Jed. Vous êtes des vilains, les garçons. Mais non, mais elles sont belles, ces baraques. Oh, regardez, c'est presque aussi beau que dans Anno. J'ai dit presque. Oups. J'ai trop zoomé. Oh le con. Ah là 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 là. Oh la vache, il y a le général là. Il a pris beaucoup de galons. Moi aussi d'ailleurs, tiens, attendez. Ah, le commando, c'est tentant. Est-ce que je peux avoir un autre appui aérien de bombardement à 10? Bof. Réparation d'urgence. Commando, non, c'est bien. Je mise sur le commando parce que pourquoi? C'est des terroristes, ils ont beaucoup de mecs. Ils jouent avec beaucoup d'hommes. Donc, tiens d'ailleurs, mon Rambo Burton, il est où? Il est là, le Burton. Je suis surentraîné. Code 4. Si j'arrive à retenir. Il va garder l'arrière de la base. On sait jamais. Si les terroristes font un assaut surprise avec des tunnels secrets, là, ils peuvent le faire. Autant avoir un Colin Burton, un Rambo en appui à l'arrière. Alors, je vais demander donc du coup des commandos. Je vais en acheter 3 pour commencer. Le fric n'est plus un problème comme vous pouvez le voir. Je suis en route vers les 40 000 $, ce qui est totalement indécent. Dans le jeu, c'est n'importe. Vous avez 10 000 $ dans le jeu, vous êtes tranquille déjà. C'est la somme avec laquelle on commence par défaut en plus. Donc, pourquoi je vois pas leur code sur ces avions de chasse? Attends. Bah. Ils sont code 9. Ah, c'est bizarre, il y a eu un bug. Bon, bref. Hop, je reviens en code 5, le bâtiment, pour pas faire d'erreur de... Alors, très intéressant. J'ai gagné une position. Ça veut dire que celle-là, je peux la défendre. Mais oui, je peux la défendre. Donc, je pourrais réquisitionner paisiblement le encore plus de revenus et thunes que l'ennemi n'aura pas. Ah, ça me plaît beaucoup. Je grignote lentement du terrain, mais certainement. Oh là 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 là, je m'éclate. Je vous l'avoue, je m'éclate. Ah oui, c'est la guerre. C'est la guerre thermonucléaire. La 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 la. Parachutiste, l'arc des rangers par avion. Oh, hey, c'est triste, regardez le bâtiment civil, il a morflé, oh là là. Alors que c'est tout beau à la base, ça fait une belle auberge là presque. Bon, bref. Ah là 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 là. Là, j'ai quelques soldats de dispo. Vous allez là, le Humvee. Je vais dire au mec de se déployer au prochain bâtiment civil qui est celui-là. Tu vas sur la route, mon gars. Je vais commander un autre Humvee pour les 3 autres soldats et les autres à venir. Ah non, j'en ai un là. Oui, mais c'est pas plus mal. C'est pas perdu. Lui, par contre, il va avoir un drone. Je vais varier le plaisir. Certains Humvee auront des drones et d'autres des mitrailleurs indépendants là. Lui, ça va être vraiment de la reconnaissance. Allez, les soldats, montez à bord, les gars. Montez à bord, grenade flash, un assaut s'il y a des terroristes dans le bâtiment. Nickel. Allez, déploiement, les unités, vite.
Vous aussi, les gars, Zou, sortez de là. Allez, go, go, go. Tic, 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 le envy, tu vas dans le champ. Les mecs, en mode grenade d'assaut, vous me prenez l'auberge. Allez, les gars. Allez, les gars. Non, 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 non. Attends, je me gourre. Oui, non, c'est bon. Clac, 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 clac. Nickel. Hop. A plus. Yes. Les deux là. Les deux là me plaisent beaucoup. Les deux là... Oh, je sais plus, je me perds dans mes codes. Allez, 7. Vous repartez dans la base, dans les champs, les gars. Et les prochains seront les parachutistes. Donc à mon avis, je vous sollicite pas avant un petit moment. D'ailleurs, c'est con, mais ils peuvent garder la zone, on sait jamais. Ça fait une belle balade. Oh, il a déraciné sauvagement le... Il a explosé l'arbre. C'est quoi ça, on dirait un belvédère? Ah, mais si, mais c'est un belvédère. Oh, c'est un petit parc... Oups, pardon, j'ai trop zoomé. C'est un petit parc belvédère. Oh, c'est Mimi. Je savais pas qu'il y avait ça. C'est une auberge suisse, il y a un plus. Oh, c'est trop chou. Ah, j'ai les parachutistes. Hop là. Les mecs, vous allez là. Vous allez là parce que là, il y a des bâtiments à investir. D'abord, les bâtiments civils. Je vais redésigner un de mes chinois qui allait chercher du fric. C'est toujours ça de prix. Je lui donne pas de code. Je prends le risque. Si je le perds, tant pis, le Chinook. Je pourrais en recommander d'autres. Mais on va la tenter. Yes. Il y a quoi sur la plateforme en thune? Il y a quasiment 30 000 par plateforme. Je pense que le premier Chinook qui s'est fait abattre avait récupéré de la thune. Alors attendez, que je gère bien. Allez, tous ceux qui peuvent rentrer là-dedans, rentrez là-dedans. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, il peut y avoir que 10 soldats. Les autres. Le moulin. Non, pas le belvédère. Vous serez un peu serré, les mecs, à 10 dans un belvédère. C'est... Ça fait un peu peur. Ah, la vache. Allez, les gars. Allez, les gars. Ouais. Tuc, 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 tuc. Dans le moulin. Et j'ai atteint les 50 000 dollars. C'est complètement pété. Trop bien l'avion. Trop stylé. Alors, pendant ce temps, moi, il se trouve que j'ai des commandos que j'ai commandés. C'est drôle. Attends, lui, il va prendre un drone aussi. Et il va garder la zone. La zone là. Encore que non. Non, 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 non. Il va plutôt garder la zone là, on sait jamais. Super. Je préfère. Comme j'ai l'appui aérien au-dessus, c'est peut-être plus intelligent. Alors, les commandos. Les commandos. J'ai pas un code 4. Ici le colonel Burton. Si, c'est Burton. Merde. J'ai un code 6. Eh ben, on va l'appeler les commandos saucisses. Code 6. Ils vont dans un MV où je leur dis d'aller à pied. Déjà, ils vont aller là parce que je vais attaquer côté nord. Non, je vais aller à pied qu'ils ne se fassent pas repérer. Je vais leur dire d'aller là. J'aurai une meilleure vie. Mais attendez, ils peuvent prendre les bâtiments, les commandos ou pas? Je suis pas sûr. Non, je crois pas. Merde, c'est pas la bonne unité pour la bonne action. Merde. C'est pas... Je voulais prendre possession des Derrick, mais discretos. Mais en fait, ils peuvent pas, les commandos. C'est pas leur boulot. C'est pas leur formation, c'est pas leur job. Donc je vais me servir des commandos pour infiltrer la ville. C'est plus malin. C'est beaucoup plus malin.
Les commandos, vous allez là. Je pars entre les sons. Ouais, en attendant. Et moi, je vais réfléchir avec mon bâtiment. D'ailleurs, je suis bête, je me penche chaque fois en avant, mais je peux prendre sur mon clavier sur mes genoux. C'est pas pour le poids qu'il fait. Alors, ah, ouais, il y a des bâtiments là. Les voies d'accès de la ville. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des caisses. Il y a quelque chose par ici ou pas? Ah, il y a personne? Il y a personne. Oh, les commandos. Est-ce que vous pouvez aller sur le toit, s'appuyer par les autres soldats? Je serai votre aide. Commando saucisse, vous avez pour ordre d'aller dans ce petit bois. Ouais. Lentement. Je suis en train de ramper. Ah, j'envoie des parachutistes de nettoyer le bâtiment là. Ça va être violent. Si j'arrive à prendre 100 trousses d'encombre avec les parachutistes les prochains, le bâtiment là, je m'engage à restaurer les autres bâtiments du quartier avec un bulldozer. D'ailleurs, je m'empresse de créer un bulldozer d'appui. Merde, je me suis planté. Non, reviens. Oula. Oula, attends. Sélectionne 5. C'est bien d'avoir un bâtiment dans les raccourcis parce que quand tu cliques sur la carte rapide en bas à gauche et que tu fais des bêtises, ça... Voilà. Merde, j'ai dit quoi? Je sais plus. Ah oui, un bulldozer bonus. Un bulldozer pour la ville et restaurer les bâtiments. Allez, au boulot. Pom 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 pom. Pim pidi pim pidi poum. Je vais dire au bulldozer d'aller là. Qu'ils prennent les bonnes routes parce que... renseignement américain. Satellite. Là, il y a quoi? Ah ouais. Ah ouais. Il y a du peuple là. Là, ça va être chaud. Le prochain bâtiment à prendre, ça va être chaud. Ah, il tente une offensive. Pourquoi il bouge? Non, il bouge plus. Je vais les avoir à l'usure, en fait. Alors, je rappelle que je joue contre une intelligence artificielle moyenne. J'aurais fait contre une facile, j'aurais déjà gagné. Mais je redoute la difficile. La difficile, en général, je me fais exploser dès le début. J'ai pas le temps de faire mes défenses et je me fais raser. Peut-être que je ferai difficile quand je jouerai avec Nayonet et ceux qui seraient intéressés de nous rejoindre quand on fera des parties multi dans le futur. Oh, les parachutistes! J'ai hâte de les avoir. Ce qui est là, c'est un peu trop calme. Commandant saucisse, la commando ou commandant... essayez voir d'aller là sans vous faire repérer. Ce serait énorme déjà. Parce que j'aurais pas mal d'infos. Regardez comment ils sont camouflés. Le temps que les parachutistes arrivent. Il y a des buissons qui courent dans la rue. Mais que signifie? Allez, parachutistes! C'est parti! Ah merde! Non, ils ont été repérés? Non! Je pars en reconnaissance. Je suis en route. Allez là. Ah merde, ils ont été repérés! Merde! Ah, ils arrivent à les repérer, les salopards.
Ah bah non, elle est dedans. Ah merde. Ah, ils ont été gazés, c'est horrible. Les parachutistes ont tous été gazés. Ah, c'est horrible. Les assassins. Aïe, 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 aïe. Bon, au moins, ils ont plus le bâtiment. Et puis l'autre, il l'arrose indéfiniment, quoi. C'est abject. Oh là 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 là. Ouais. Ici, éclairage. Va l'autre dans le bâtiment, te fais écraser vite. Nickel. C'est pourquoi. Allez, mes avions de chasse, attaquez. Merde, j'ai détruit le bâtiment civil. Dommage collatéral, je suis désolé. C'était pas ce qui était prévu. Je vois tout. Je me mets. Je vais me cacher là-dedans. Non, il va se faire ouais. Ah merde. Merde, 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 merde. Ah, ça craint du boudin, je vais perdre mon unité, le village va être détruit. Oh, oh, comment qu'il l'a eu. Waouh, comment qu'il l'a snipé, trop bien. Faudrait que j'essaye d'aller de bâtiment en bâtiment. Non mais là, il va se faire avoir là. Non, il s'est fait écraser, c'était sûr. Oh l'autre, il continue de l'asperger le... Ah ça y est, il bouge. Non, il... Oh c'est horrible. Ils sont abjects. Du coup, j'ose pas... Avion de chasse. Il faudrait me le liquider, lui. Comme ça, je peux dire au bulldozer de venir réparer les autres bâtiments civils. Un nouveau chantier. J'ai du boulot. Voilà, le bulldozer va aller là. Le temps qu'il arrive, celui-là, il est mort. C'est même pas la peine, il va se faire exploser. Regardez, on va zoomer sur sa mort. Voilà. Et j'ai un pilote de chasse qui a été promu. Vas-y voir, répare déjà le bâtiment là. Comment réagit l'ennemi? Pourquoi j'ai un mec là? Il va se faire abattre. Hein. L'autre taliban de mes deux. Viens là. Ouais, c'est sûr. Et voilà. C'est pris une grenade flash en pleine poire. Ah, ouais, il est 11h. Ok, alors... Merdoum, non. Mais non, mais... Ah, la caméra qui me joue des tours. Mon bulldozer, il est où? Non, ça c'est la carcasse de la bagnole. Bah... Attends, je deviens fou? Bah, il est où mon bulldozer? Ah, merci. Il est derrière le bâtiment. Voilà. Qui me répare le bâtiment civil tant qu'à faire. Oh, il y en a d'autres qui ont morflé. Alors, renseignement. Tac, tac, tac. La zone là. Oh la vache. Que je leur grignote du terrain. Tagada, tagada, soin, soin. Eh, hey, si je mettais des commandos dans l'église. Depuis le... Ah. Mais les commandos tirent que sur les gars, pas sur les véhicules. Et si je mets des gars à lance-roquette... Ah, c'est tentant.
C'est tentant. Je vais faire une offensive avec des soldats. Ah oui, prendre bâtiment, oui, ils savent pas. Il faudrait que je... Que des lance-roquettes? C'est peut-être pas une bonne idée, je sais pas. Peut-être mettre deux mecs à mitraillette. Ouais, je vais faire ça. Les UMV vont me servir à les déposer. Les UMV, je vais en prendre un. Ça fait une belle balade. J'ai mon lance-missile sur moi. Ça pour casser du char, tu m'étonnes. Je veux faire sauter quelque chose. Ouais, va faire tout péter. J'ai mon lance-missile sur moi, va casser du char. Nickel. Allez, allez-y. J'en commande d'autres. Et pendant ce temps. Nickel. Allez hop, go. Les 5 sièges sont pris. Tu m'étonnes, t'y vas à fond. On va prendre possession de cette baraque là. Bonjour Tomouf, comment vas-tu? J'ai mon lance-missile sur moi. Super. Ça fait une belle balade. J'y vais à fond. On y est, fini la promenade. J'ai mon lance-missile sur moi. Quoi? Attaque missile laser. Le ciblage laser augmente la capacité de feu d'un missile. Eh ben vas-y. Ah oui, non, c'est... Oui, enfin bref. Non, c'est pas ça que je voulais... Ah! MB, j'écoute. Je veux faire sauter quelque chose. J'ai mon lance on va casser sur moi. Du char. Je veux faire sauter quelque chose. Je peux tirer partout. La 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 la... Hop là. Besoin d'un coup de main? On y va. Nickel. Hop. Je vais faire plein de soldats. Et en fait, je vais quasiment occuper tous les bâtiments civils. Hein. C'est bête. Enfin, je dis c'est bête. C'est une stratégie. Ah, les parachutistes. J'avais zappé que j'avais déjà les parachutistes. Je vais pointer. J'ai mon lance-missile sur moi. Alors, qui passe par là déjà le bulldozer? Les parachutistes. Merde, je me suis fait repérer. Je vais les laisser en appui à l'arrière. Je vais être plus minoré, on va dire, dans l'assaut. Enfin, si on peut parler d'un assaut. Si, c'en est un. Mais je vais grignoter un à un les bâtiments civils. Ce qui fait que je vais être super puissant. Ouais, ça va bien, Tomouf. Merci. Ouais, tu vas bien, c'est cool. Merde. Bon, tant pis. Ah, appui aérien, les gars. Ouais, non, ça va. Non, bon, ça va. Les commandos arrivent. Bâtiment occupé. Mission, chef. Prenez le bâtiment. Ah, attends, il y a un char. Unité perdue. Aïe. On y va. Bâtiment occupé. Ouf. Bon, ça va. Il y en a malheureusement quelques-uns qui se sont fait écraser, mais j'ai réussi à sauver du monde. Bon, j'ai perdu mon bulldozer. Tant pis. Je peux m'en faire un autre à volonté, j'ai envie de dire. Avec... Oh, je vais atteindre la barre des 100 000 dollars. Je crois que ça m'est pas... Je sais même plus si j'ai déjà fait par le passé. Bon, enfin bref, on n'est plus à ça près. Alors lui, il est prêt. Hop là. Hop là. Ouais, je vais me calmer sur les unités parce que là, j'en ai pas mal. Je sais pas s'il y a une limitation dans Command & Conquer en nombre d'unités à avoir. À vos ordres, je me mets en position. Oh les gars, vous allez rester là. Alors, le bulldozer, il va pouvoir retourner en ville. Hop là. Et les deux là. J'ai de la place pour 5. Hop là. Ouais.
Tant pis si je leur donne pas des codes. C'est bien, il y en a un qui a un drone de détection et l'autre de tir. C'est très malin comme combinaison. On va essayer d'investir l'église. Ou peut-être pas. Ah si. Si si, j'ai une idée. Prenez l'église, les gars. Je vais prendre, faire une exception avec lui. Il va prendre le bâtiment du haut. Je sais pas si l'ennemi réagit. Ah merde, il est pas passé par là où il fallait, le bulldozer. Le con. Ah merde, Doom. Erreur stratégique. Je recommande un bulldozer. Oh bien les grenades flash. Trop bien. Trop bien. Alors, le bulldozer, je vais pas me faire avoir deux fois. Je vais lui dire de passer sur le pont là d'abord. Unité perdue. Ah ouais, tu m'étonnes que j'ai perdu une unité. Ah, c'est la guerre là. Ah merde. Oh vache. Attends, je vais demander un appui aérien, il va se faire abattre lui. Donc l'église, c'était pas une bonne idée. Ah, ils sont chiants avec leur truc de gaz toxique. Merde. Bon, bien, le gars qui a réussi à rester dans le bâtiment, c'est excellent. Je peux pas prendre l'église pour le moment. Ah, j'ai perdu pas mal d'hommes. Les stats vont être intéressantes à la fin de la bataille. Avec un peu de chance, je terminerai bataille aux environs de midi. Je prends le temps de bien faire. Bon, faut que je boive un peu. Moi, c'est pas tout, mais j'ai quasiment rien bu. Je vous emmène. Ça fait une belle balade. Humvee, j'écoute. C'est parti. Le Humvee, tu vas déposer les soldats là. J'y vais à fond. En attendant. J'ai mon lance-missile sur moi. Hop, okay, tu déploies les hommes. Votre mission, chef. Et tu restes en défense. Hop, les trois là, dans le MVI. Les loustiques là, dans le bâtiment. Et pas en tant que maçon. Ça parle mal. Nickel. J'ai la place pour ça. Ah ouais, ça y est, Bars des 100 000 dollars atteinte. C'est n'importe quoi, c'est complètement pété. Énergie, j'en suis à... Ah, 54 sur 60, hein. Ça reste tendu quand même. Bon. Hop, tu repars là-bas, gars. Alors, le Humvee. Ouais, tu vas garder la zone là. Super, comme tu dis. Bon. Je suis tranquille dans la base.
Là, ils viennent pas me les briser. Ah, le Chinook fait son boulot en plus, très bien. Donc je pourrais récupérer les... Intéressant. Je peux récupérer les Derrick pour avoir encore, de manière indécente, encore plus de fric. C'est l'Amérique, on bouffe les ressources locales. On va se gêner. Aïe, aïe, aïe. Alors, formation pour les soldats. Apprendre à investir un bâtiment et à le réquisitionner et le revendiquer. Je vais peut-être le faire avec les parachutistes. Pour le coup, comme hier, mais là je sais que ça va être rentabilisé. Après, les parachutistes, je peux les faire marcher le long de l'autoroute pour investir un bâtiment au choix. Là, j'ai mon bulldozer, c'est bien. Oula, déjà le bâtiment là, faut le refaire. Allez, sans risque. Les parachutistes, vous atterrissez là. Nickel. Je vais mener un assaut tranquille. J'arrive plus à parler. Bonjour Boson, comment ça va? Faut pas réfléchir, faut bourriner. Ouais, mais alors je reconnais que je suis assez intellect. Amélioration terminée. Dans le sens où effectivement je réfléchis parfois un peu trop, mais j'aime bien, voilà, petit à petit. Petit à petit progresser. Alors, hop. Ah merde, faut que j'attende qu'il... Il y a un délai avant qu'il puisse prendre le bâtiment. La rigolade. Attends, il y en a un qui va le faire. L'autre là. Et tout le groupe restant, vous allez investir. Je sais pas quel bâtiment. Allez là en attendant. Oh la vache, tous les parachutistes. Hop là. Hop là. Je vais avoir de la tonne à plus savoir quoi en faire. De la tonne, de la thune à plus savoir quoi en faire. Attends, si je mets le bulldozer au milieu sans rien dire, il répare les bâtiments à proximité ou pas? Ah non, c'est pas automatique. Faut vraiment que je donne l'ordre de... Sinon, il néglige les bâtiments civils. Oh, il bousille la bagnole, il a écrasé l'arbre, bravo. Oh, le fou. Le gars, il est fou. Ouais, ça va, c'est bien, Boson. Oui, bah, moi, je vais bien, merci. Non, pas assez intelligent pour faire ça. Ah bon? Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est beau de voir tous les parachutistes qui courent sur le pont. Ah. Pam pam padam pam padam pam. Ah merde, tout le monde n'arrive pas à rentrer dans le... Hop là. Excellent. Boson dit, je suis même pas sûr que sur les derniers Command Conquer, l'intelligence artificielle était assez poussée pour auto-réparer les bâtiments. Ah, vérifier. Oh, à vérifier. Là, je suis contre une IA moyenne. Bon, j'y vais lentement, progressivement, mais elle m'a tenu en respect au début. Une intelligence artificielle élevée que tu peux demander, là, en mode difficile, franchement, je me fais exploser, je pense, les 2-3 premières fois. Parce que j'arrive pas à mettre mes défenses et à m'installer assez rapidement. Je pense que je me ferai avoir comme ça. Hey, je gagne du quartier par quartier. Là, je suis en train de gagner du terrain. Je suis en train de grignoter du terrain à l'ennemi. Alors, renseignement tactique. Qu'est-ce qui se passe par là-bas? Ils sont toujours là, les loustiques? Tiens, on dirait qu'ils ont... Non, je vais pouvoir reprendre la ville? Si je peux reprendre la ville, c'est trop bien.
intrigant. Alors, là, j'ai deux gars. Oh, ils peuvent garder la zone, va. Je leur demandais de patrouiller et de garder la zone. On y va. C'est presque symbolique. Voilà, il va garder Derrick et l'autoroute. Il contrôlera les papiers des véhicules sur la route. Barrage militaire. Eh, j'ai été promu, moi, je crois. Non? Ah non, j'avais joué le commando, oui, c'est vrai. Je peux encore gagner une étoile et là, j'aurai la bombe aéro incendiaire. Alors, quand ça va être le cas, je vous dis pas la violence. La 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 la. Bah, c'est bien. Ouais, c'est cool. Je suis content où sont placés les soldats. Mais il faut scanner les QR codes, ouais. M'en parle pas. Oh la vache, le bâtiment, comment qu'il a morflé. Ouais, il y a des pertes civiles. Je suis désolé. J'essaye de faire au plus propre, mais j'ai merdé. Alors, mes petits Humvee avec mes petits soldats. Allez, je vais me faire un autre groupe de 5. Pour une mission spéciale, après, je vais peut-être me réserver un commando. Notre mission, chef. Je vous emmène. Allez, le MV va là, il va chercher les hommes. Allez, dans MV, les gars. Allez, 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 montez à bord. Alors, évidemment, si je reprends contrôle de la ville au centre de la carte, pensez bien que la suite, ça va être directement agresser l'ennemi. Et ce sera la fin de la bataille qui s'approchera. Là, ça va être le bouquet final. Ça va péter dans tous les sens. Ça va être un caillon. Je pense que vous allez adorer. Du moins, je l'espère. Quoi, souffle ennemi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un incident dans le quartier. Ah, j'ai eu un... Ah oui, il y a des négos de terroristes qui arrivent. Toujours prêt. Ah. Je vais pointer. Ouais, ça va. Il reste là, le bulldozer, il peut réparer les bâtiments. Nickel. Nickel, nickel. Je regarde dans le chat, je vérifie que j'ai mis devant à personne. Ma crainte numéro 1. J'ai de la place pour 5. Alors, toi, tu vas à fond. Alors, les militaires. Il me faudrait un commando. Et. Ouais, je vais faire un MV spécial avec un mec commando sniper. Et 4 gars au lance-roquettes pour les unités blindées. Je me demande si je peux pas réinvestir l'église. Je me demande vraiment. J'ai mon lance-missile sur moi. Je tente le coup. Je sais pas combien ils sont. Allez, qui tente rien à rien. Je vais être hyper agressif. Et je vais lancer un assaut dans le bâtiment pour essayer de le reprendre. Je vais demander l'appui des parachutistes. Ça va être énorme. Va y avoir du grabuge. Attention. Oh, le saut qu'il a fait. Wouah. Ouais, bien joué les gars. Oh, vous êtes des pros. La grenade flash, c'est énorme. Ah merde, salopards, ils ont commencé à gazer. Ah, c'est horrible. Ah, il y en a plein qui meurent. Clac, 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 clac. Très bien. Toi, tu rentres à la base parce qu'à mon avis, je vais amener du renfort. Je vais amener du renfort.
ça devient très intéressant. Alors, tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Hop. Je vois tout. Les gars. J'aurais une énorme vue. Oh, est-ce que je demande à l'autre homme vide de venir? Allez. Le temps que l'autre entre, je vais gagner du temps. Je connais mon chemin. Votre mission, chef. Je suis en route. Allez, 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 les gars. On garde le rythme. Touk, 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 touk. Vous, vous allez là. Hop, mission, barrez-vous. Ça tourne bien. Le rythme est bon. Je vais les bouffer. J'adore le wow. Ou que je vais les bouffer. C'est la guerre. Alors, mais avec ton budget, dit Boson, je réfléchirai même pas. Je fais un stock de soldats en prenant les bâtiments en un couvert. Bon, bah, un groupe de chars, et zou. Oui, ça peut être une approche. Oui, je sais, mon budget est indécent. Mais j'avais peur de pas avoir de fric. Wow. Bonjour, NJ, j'espère que tu vas bien. Notre mission, chef. Ça fait une belle balade. Ouais, ça fait une belle balade, lui. Allez, tout le monde dehors. Déployez-vous, les mecs. Tac, 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 tac. Le MV sur le pont. Go. Hop. Le commando sniper dans le bâtiment. Allez, zou. On prend contrôle de la ville. La 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 la. La 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 la. Allez, zou, le MV, tu refiles à la base. On fait tourner. T'inquiète. Je me mets en position. Je vais redemander. Allez, deux. Allez, soyons fous, trois commandos. Et pas mal de mecs à lance-roquettes. Hop là, c'est reparti. Je vais les déployer dans la ville, comme ça je sais que j'ai vraiment le contrôle du côté des civils. Ah là 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 là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Super. Pa 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 la pa pa. C'est parti. Toujours prêt à tirer. Chabadabad. Est-ce que je peux monter dans le quartier au-dessus? Super. Ok, tout le monde descend. Toujours prêt à tirer. C'est parti. Toujours prêt. Grenade flash armée. Besoin d'un coup de main? J'ai mon lance-missile sur moi. Attention, il y a un terroriste dans le coin. J'ai mon lance-missile sur moi. Ah, dommage, j'ai pas de sniper. Mais il va se faire abattre. Il va se faire abattre. C'est obligé. Et voilà, c'était sûr. Excellent. Alors... Tac, retour à la base, toi. Ouais, tu reviens là. J'ai mon lance-missile sur moi. MB, j'écoute. C'est parti. Il y a des attaques, je sais pas où là-bas. J'ai mon lance-missile sur moi. Pop, 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 pop. J'ai mon lance-missile sur moi. Super. Ah. Est-ce que je peux amener du renfort? Ce serait bien dans le carrefour. Alors, l'autre quartier civil, là, ça a l'air d'être calme désormais. Oh la vache! J'ai un soldat armé à toutes les fenêtres. C'est n'importe quoi. Je bourre les bâtiments civils de mes GIs. C'est horrible. Les terroristes, ils sont complètement acculés. Ils peuvent plus rien faire, sortir de chez eux, ils sont morts. J'ai de la place pour 5. C'est... J'adore cette stratégie à l'usure, c'est ma principale. Je suis lent, mais quand j'arrive à tenir position, je suis redoutable. Alors, tac. Alors là, je vais répartir intelligemment les commandos. Je vois tout. Je vais en mettre un là. L'élite de l'armée. Hop, lui il va là. Lui il va là. Je suis très discret.
Alors, là-bas, je crois que j'ai pas de commando dans la maison là. Ouais, j'ai pas de commando. Donc là, j'ai un commando, c'est nickel. Je connais mon chemin. Où est-ce qu'ils ont pas de commando? Bon, allez, je vais en mettre un exceptionnellement dans la baraque là en solo. On pourra toujours me débusquer les. Sur quoi ils tirent? Ah, ils tirent! Ah, il a la portée pour tirer sur le camp! Trop drôle! Je rigole, je rigole. Alors, espionnage, renseignement. Il se passe quoi là? Cache de ravitaillement. Mais attends, mais ils sont sommaires, ils ont quasiment rien! C'est une blague! C'est une blague. Normalement, l'IA est moyenne, elle devrait pas être aussi débile. Je vais finir par me ranger dans ton propos. Je crois que c'est Boson que tu me disais, oui, au niveau de l'IA, qui est pas forcément très maligne. Là, je te donne raison, Boson. Tiens, autant que le MV est un drone. C'est trop bizarre. Super. Je vous emmène ? Trop bizarre. Besoin d'un coup de main ? On y va. Allez, les 10 chars et ligne droite, ouais. On voulait que je mène un HO. Un HO. Je fais que les parachutistes, je rajoute des chars, je fais l'aviation au choix. C'est horrible. Allez, un petit dernier. Non, même pas de commando, y a pas besoin. Ah, et puis les parachutistes sont prêts. Les parachutistes sont prêts. Alors attends, il y avait une unité là-bas. Je veux bien mettre des soldats en appui ici. Ah, oh, si seulement le bulldozer pouvait réparer le bâtiment là-bas. Je vais déjà dire au bulldozer d'aller en haut, dans le quartier au-dessus. Pour commencer, mais du côté de ma zone. Mais il a l'usure ou je rêve? Ou il tire trop loin, il touche pas? Non, il arrive pas à voir le. Faut pas déconner, mais il tire tout le temps quoi. J'ai mon lance-missile sur moi. C'est abusé. C'est abusé. C'est la guerre. C'est la guerre. Oula. Ouh, ils réagissent les salopards. À vos ordres. Ouais, du renfort ici. Allez, prenez place dans le bâtiment là. Vous, allez là. Ah, c'est dommage, la baraque qui est détruite. Ouais, allez dans celle-là en attendant, puis je vais les répartir plus intelligemment après. Ouais. Ah, la suivante aussi, elle a été pétée. Oh, il y a du boulot pour le bulldozer. Bon, bah j'ai le contrôle de la ville, relax. La partie là, on va vérifier par acquis de conscience. Est-ce qu'il contrôle le pont? Je ne crois pas. Non, il contrôle pas le pont. Je pourrais même, encore dans le délire du fric, prendre ces deux Derrick. Allez, on va se taper un délire. Je vais leur dire d'aller là-bas, eux. Enfin, ouais, j'en demandais un soldat, ça suffit. Ouais, j'y vais. Pour revendiquer les deux Derrick et puis il patrouillera sur place. Destination confirmée. Ouais, j'y vais. Alors, oui, il me manque un loustique. Il me manque un loustique. Allez, hop, 3, puis j'arrête parce que j'ai combien d'unités? J'en ai 150 sur la carte. C'est complètement pété. Allez les deux, vous allez pouvoir vous déployer. Je vais me déployer où ça? Ouais, bah là. Allez, je prends le risque de lui demander d'aller dans le quartier là. Oh, lui, il va se faire zigouiller. Et voilà. Un sniper et c'est bon. Ah.
Ah, les bâtiments civils sont sauvés. La 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 la. Eh ben c'est bien. Bon, je déracine le quartier, les arbres du quartier, mais bon. Oula, hé, tu prends la route là, mon gars, t'es fou. Oh, la provoque. Tu vas passer devant les talibans, là. Ah oui, c'est bien, il a pris, il a tourné avant. Il a compris son erreur. Ah. À plus. Allez. Tu vas me garder un quartier, tu vas me garder le carrefour là, toi. Hop là. Et toi, tu vas me garder un autre quartier. Tu vas me garder celui-là. Ça fait une belle balade. Hop, tranquille. Alors, les gars, vous pouvez investir les bâtiments. Les commandos arrivent. On va casser du char. À vos ordres, prenez le bâtiment. Besoin d'un coup de main? Entrons là-dedans. Bon, que dire? Que je suis en position de force? Oh le bordel. C'est bon, il n'y a pas un soldat dehors. Tout le monde est derrière une fenêtre. Ouais, tranquille. Nickel. Un bulldozer au carrefour. Encore qu'il y a d'autres bâtiments à réparer, vous me direz. Allez, hop. Hop, 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 hop. Allez, je vais faire un peu façon boson avec 10 chars. On va se faire plaisir avec les chars. Alors, Crusader. Allez, 7 Crusader, 2 Tomahawk. Et promis, j'attaque avec ça, avec le groupe là. J'explose. J'explose l'adversaire. Je pourrais faire un appui aérien avec mes avions de chasse. L'unité 9. Allez, là on va rigoler. Je sauvegarde une dernière fois pour être sûr de pas avoir un instant drama. Au moins ce sera fait. Nickel. Pendant ce temps, il me reste un petit groupe. Je vais leur dire d'investir une... Ouais, le bâtiment là, on sait jamais. De mémoire, dit Boson, dans Red Alert, Alerte Rouge, l'IA était beaucoup plus agressive. Oh, j'y ai joué un peu Alerte Rouge, le premier du nom, hein, pas les autres opus. Y avait l'éditeur de cartes, déjà à l'époque. Alors, pas de la beauté là, pour ceux qui connaissent pas, mais c'était un ancêtre de dans la saga. Oh! Vous voyez de l'intérêt d'avoir des mitrailleurs et un sniper? Voilà. Il s'est mangé 20 roquettes, le gars. En mode Terminator. La revanche de Yuri, ah, j'ai pas fait. Je crois pas. Non, je crois pas que j'ai fait. J'ai fait le commande... Enfin, l'alerte rouge classique, sans extension, le tout premier. Et j'ai pas joué au-delà. Ibi. Alors, le gars qui peut revendiquer les Derrick. C'est moi le patron. Qu'on s'amuse. Qu'on se le dise. Renseignement. Alors, il y a quoi? Mais c'est ça leur base? Mais c'est une blague. Ils ont même pas fait de marché noir pour avoir du fric à gogo. C'est pour ça qu'il m'attaque plus. Oui, soleil de Tiberium, celui-là par contre je l'ai fait. Il était magique. Avec les vidéos, avec Albert Einstein, il est magique. Oui, non mais t'as raison, c'est génial quand même Conquer. Enfin, faut aimer le genre, mais la saga elle est magnifique. Avec Kane. Si vous connaissez pas l'anecdote de joueur du grenier, bonjour Elogir, comment tu vas? Joueur du grenier qui disait quand il était ado, il aimait tellement le personnage de Kane qu'il avait demandé à se faire raser la tête. Et sa mère l'en a dissuadé. Elle a bien fait. Il le reconnaît aujourd'hui.
Oui, je veux bien, merci Elogir. C'est surtout toi, j'ai envie de savoir comment tu vas, Elo. Ah, c'est bien, ça va tranquille, c'est cool. Ouais, Kane, cette vieille branche, m'en parle pas. Ah, j'ai les parachutistes. C'est bien, vous arrivez pour l'assaut final. Ça va être n'importe quoi. Ouah, je vais les mettre en panique. Allez. Eux, je vais me les faire juste pour le plaisir avec les parachutistes. Allez, toutes mes... Ils sont tous... Ah non, il manque encore les... Ah. Oh. Ils ont des options, eux. Ah oui, ils ont des options. Alors, les parachutistes, les parachutistes. Le Nod et le GDI. Oh là là. Est-ce que t'as fait Renegade, Boson? Je le referai bien sur mon antenne, Renegade. C'est le seul Command Conquer qui joue en FPS. Et il était vachement bien. Oh le bordel. Oh le bordel. L'ennemi qui essaye de résister en réparant avec un ouvrier. Mais ça marchera pas. Oh la vache. Allez. Ouais. Ah, ah. Oh l'autre il est mort. L'autre il fait le kéké mais il est mort. Non. Sérieux? Attends, j'ai demandé à un mec de le dégommer là. À la grenade flash. Oh la vache, il arrive à user le bâtiment en tirant dessus. Oh le salopard. Tiens, je vais dire au bulldozer de venir réparer. Histoire de le faire suer. Bon allez, ma division blindée, elle doit être prête là. Ils ont quoi comme option les Thomas? Ah, je vais demander les drones pour les lance-missiles. Et les autres, juste la petite mitraillette bonus. Allez, au moins j'aurai un super appui. Et la division blindée va les exploser. Allez, c'est parti. Je sais plus s'il me reste un code. 7, je crois que j'ai pas pris. Voilà, allez, on va attaquer de front. Allez, Zou, attaquez-moi ça. Ah oui, ça va les réveiller, oui. Ça y est, c'est l'assaut final. Vous êtes venus, c'est bien, à midi, j'aurais gagné. C'est un jeu style Age of Empires de guerre, ça. Oui, on peut le voir comme ça, effectivement, comme dit Boson. Ouais, ouais, c'est ça, Elogir. Pour moi, oui, tout ce qui vit au-dessus avec des petites armées, c'est style Edge. Oui, 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 c'est dans l'idée, c'est dans le style. Voilà, donc le soldat, il a gagné. Le bâtiment civil est réparé. Bâtiment occupé. Allez, on va jouer avec la division blindée. Papa, 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 papa. Attention, division blindée en route, ça va péter. Alors que je vais atteindre les 200 000 $, c'est complètement n'importe quoi. Youhou. Ouais, le missile. C'est la guerre. Oh la vache. Ah, il déguste quand même le... Ah, je vais perdre un char, à mon avis. Encore que, il est costaud. Il est costaud. Allez, c'est la fête. Appui aérien pour eux. Bon. Une démonstration de force. Oh la vache, le bordel. Ouais. Oh la vache, ils attaquent les petits drones. Ah ouais, ils ont perdu leur petit drone. Ah, ils visent surtout les petits drones. C'est intéressant.
Ah, j'ai perdu un avion de chasse, je pense. Non. Ah non. Ah, c'est peut-être un char que j'ai perdu. L'un des lourds prêt au combat. Allez, c'est parti, attaquez-moi ça. Oh le bordel. Ah, j'ai pas connu Blitzkrieg et Z. Non, il y a un jeu vachement plus tactique en militaire, c'est Jagged Alliance. Jagged Alliance, il y a une démonstration qui... C'est comme ça que j'ai découvert, une démonstration qui avait été faite par Bob Lennon de la version 1.13. Il faut trouver la 1.13. Elle est excellente. La communauté internationale l'a modée pour rajouter toutes les armes qui existent au monde. Et vous avez, mais alors... mais c'est plus tactique sur un damier. C'est du tactique tour par tour. Mais c'est un bijou. Mais j'arrête d'y jouer parce que c'est trop chronophage. C'est... Mais il est génial. Il est génial. Allez, je vais attaquer par là pour les faire suer. Papa la papa. Allez, la division blindée, pétez tout. You, les Tomahawk, allez, you. C'est parti. Ils vont avoir chaud. Sans scrupule, les salopards, comment qu'ils m'ont gazé. Les monstres. Ils vont que V. Oui, c'est un peu un World of Tanks. C'est ça. C'est ça, Hello Gear. Aïe, aïe, aïe. Ibi. Ouais. Allez, c'est parti. J'aurais même pas le temps d'avoir ma promotion 5 étoiles. La 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 la. Et je me garde le bâtiment principal. La grosse provoque. Et avec un peu de chance, si je suis promu 5 étoiles, je finis le bâtiment général avec la bombe horrible aérienne. Juste pour le délire. Oh là là, oh là là. Ça y est, voilà. J'ai été promu. Donc je dis au char de se retirer. Allez là. Oh, oh. Je demande. L'horreur. Ah oui, je peux demander d'autres trucs. Ah bah attendez, on va demander un appui avec les A10. Allez. Le grand final. La grosse bombe. Burp. Appuyé par des... Et par-dessus, les parachutistes, mais un peu éloignés, parce que je voudrais pas qu'ils se prennent le feu des bombes. Ce serait moche. Ce serait moche. Allez, les avions. Allez, les avions. Oh, puis je vais rajouter des avions de chasse. Allez. Allez, go. Qu'on rigole. La totale. La totale. Ouais. Youhou. La bombe. Oh, quelle horreur. Ah, c'est la fragmentation. Non. Oh la vache. Ah, il y a un A10 qui est mort. Eh, pas mal. Le bâtiment principal qui a résisté. Les avions de chasse derrière. Wouh. C'est beau. Eh, ça n'a pas suffi. Oh là là. Bon allez les gars, vous prenez ça, quick, vous prenez celui-là. Ah, il y a eu un retour, il y a eu un retour. Excellent. L'élite de l'armée. Tata, il n'y a plus de bâtiment là, non, il n'y en a plus. Je sais pas, attends, il y a 4, 5, je peux en mettre 10, c'est ça? Ah bah alors attends, il y en a deux qui vont... Merde.
Attends. Deux qui vont là et un autre qui va là et c'est bon. J'aurai rempli les tourelles. Non, ils résistent encore. Mais c'est ridicule. Ah. Oh. Intéressant. Juste par sadisme. Je veux voir juste par pur sadisme. N'hésitez pas à écrire dans le chat. Là, je suis disponible puisque ma domination est insolente. Je vais vous lire. Donc, non, j'ai pas fait celui-là car c'est pas un Command & Conquer, dit Boson. D'un style Age of Empire, dit Elogir. Ouais, on peut le voir comme ça. Moi, tout ce qui est vu dessus, machin, oui, c'est logique. Alors, Boson dit, il faudrait voir les dates, mais je pense que Command & Conquer est sorti avant Edge. Elogir dit, possible, oui, mais c'est un nom qui date dans ma tête exacte. Boson qui dit, avant même Command & Conquer, il y avait Boson. Voilà, je vous ai... Oui. Ouais, Et Fan, merci, complément d'information, qui nous dit, effectivement, la série est sortie en 95, alors qu'Age of Empire est sorti 2 ans plus tard. Enfin, le premier Age of Empire. Mais c'est bien, ça a lancé le jar. Non, le tout premier historiquement de Westwood Studio, c'était Dune 2. Dune 2, pour l'idée de gérer une base militaire et d'attaquer l'ennemi, c'était Dune 2. Et justement, c'est ce qui branche Poupon. Poupon, il a envie d'y rejouer. Et on pourrait tous y rejouer, c'est devenu un abandonware vachement bien amélioré par la communauté internationale. Et oui, Jean-Michel, ouais. Jean-Michel Jarre, ça c'est le gear. Ouais, le JAR. Putain, j'en reviens pas. C'est rigolo d'avoir maîtrisé, maté complètement l'ennemi. Aïe, 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 aïe. Ah, question en direction de mon modérateur. Excuse-moi, j'ai pas vérifié ton planning, mais je sais que tu diffuses aujourd'hui, j'en suis ravi. À quelle heure tu prends ton antenne, Fun, s'il te plaît? Parce qu'avec, si tu prends à 13h, à mon avis, je vais te faire un relais de chaîne. Je vais regarder si on m'a pas contacté pour des horaires plus précises de mon week-end. Pour le moment, on m'a pas contacté. Mais bon. Eh ben, 14h! Ah! 14h, je sais pas si je vais garder mon antenne jusque-là. 14h, ça fait beaucoup. Ouais. Ouais. Je vais rendre l'antenne avant, Fun. Je pense que je vais me faire une petite heure de Minecraft pour voir ce qu'a fait, par curiosité, ce qu'a fait Torota. Ouais, ça fait trop juste dans mon organisation, 14h, Fun. C'est... À moins que pendant que je fais Minecraft, je reçois un SMS qui me dit on retarde d'une heure notre planning de week-end, mais... Parce qu'il faut que je déjeune quand même. Ouais, 14h avec Nayonet, ouais, je comprends Fun, ouais. Ah ouais, il a reconstruit sa base. De toute façon, il était condamné à faire que ça, quoi. Oh, je vais pas attendre toutes les options, ça dure 3000 ans. Enfin, elles sont tellement puissantes que... Il est foutu. Je vais peut-être avoir un appui des A10, mais... Non, allez, la division blindée va me... Explosez-moi tout ça, on n'en parle plus. Les avions de chasse vont ouvrir le bal. Je rajouterai les A10 en plus, les parachutistes en bonus s'ils ont le temps d'arriver. Et puis on va faire un peu de Minecraft, on va voir ce qu'a fait Torota. Ça m'intrigue, ce qu'il a fait dans les enfers cette nuit. Allez, c'est reparti pour un tour. Deuxième service. Wouhou. Allez, c'est le bordel. C'est le bordel en TLC des World. You. Et un suppo. Message de FunFan 1992. Je ne dirai pas qui, mais on m'a fait un MP pour essayer de corrompre pour Dieu pour qu'il utilise ses pouvoirs. Ouais, tu vas pouvoir t'amuser un peu en direct là. Je fais un peu de Minecraft, FunFan. Tu vas pouvoir te défouler. Victor, j'ai même pas le temps de faire mes unités aériennes.
Vous êtes victorieux. Oui, tu m'étonnes, je suis à la limite des 250 000 dollars. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas oublié à l'autre gars de GI de récupérer le lot d'Eric. J'aurais pu en revendiquer un autre, mais c'est pas grave. Alors, les stats. J'ai créé... Devastator, c'est moi. C'est le nom de mon ordinateur, Devastator. 110 unités créées, 76 de perdues. Ah, il en a fait 7 de plus, l'ennemi. Oh la vache. 30 bâtiments construits, l'ennemi n'en a fait que 8. J'en ai perdu aucun. Ouais. Ressources récupérées, presque 350 000, alors que l'ennemi a fait que 42 000. Je sauvegarde la rediffusion. Alors, les rediffusions, plus tard, je vous permettrai de les télécharger sur mon Discord. C'est des petits fichiers qui prennent pas beaucoup de place. Et comme le jeu est devenu accessible à tous, vous pourrez rejouer mes parties si ça vous intéresse. C'est la richesse, c'est toujours ça de prix. Donc, j'ai fait USA contre... contre GLA, donc les terroristes, en moyen. Voilà. Voilà. Nickel. Un jour, je vous passerai mes fichiers, pour ceux que ça intéresse. C'est tout bénef. Eh ben, c'était cool. Je me suis amusé comme un petit fou, moi, pendant de bonnes heures. C'est pas 2h30, d'ailleurs, même. Plus, oui, 2h30. Allez, on va se faire un... Ah, merde, j'ai même plus accès au bouton à cause de la barre Windows. Vous avez le droit de voir ma tronche en gros plan. Je lance rapidement Minecraft. Je coupe l'enregistrement pour YouTube.